sentier, ça veut dire quoi? Sentier, ça veut dire, explique bien.
Ils ont dos à la caméra. C'est 5 joueurs qui ont constaté.
Thank you.
Thank you.
passe. Assez compact de FUS. Ouais. Qui se regroupe bien. Et jusqu'à présent, le coach Milutin Nikolic n'a pas encore trouvé comment débloquer son équipe de ABC qui semble peiner dans ce début de rencontre. Encore 1 minute et 5 secondes à jouer. ABC en difficulté. Je rappelle que si FUS de Rabat se qualifie, il sera le deuxième club marocain à se qualifier à une phase finale de la Basketball Africa League. Pour le moment, c'est l'AS Salé qui a déjà disputé la compétition. Un technicien bien capé en la personne de Saïd El Bouzidi.
vainqueur en 2017 de la Coupe des champions d'Afrique avec l'AS Salé justement. C'est donc un technicien au pédigré bien construit qui conduit cette équipe de Fus de Rabat. Objectif, première qualification à la Basketball Africa League. On regarde ce lancer franc exécuté par Winston Shepard. Ah ouais, concentration, c'est lancé. Ah ouais, parfait. Petit combat de la raquette entre Moussa Kone et Bad Edine Azouga. Ah ouais, ça combine bien. Côté ABC et puis ce shoot. Malheureusement, très peu d'adresse pour ABC dans cette rencontre. Ah oui, Urich Mohamed Kra. 3 points pour Fus manqué. Ça commence un peu à s'animer du côté de ABC Basketball. Bonne circulation de balle, mais au final, la maladresse. Ah oui. Au bout du compte, espérons que cela sera corrigé pour la suite de cette rencontre. Et non. Joli contre. Le rebond ensuite. C'est la contre-attaque. Oh là, à la limite. On va dire qu'il a du temps. On ne sait pas s'il a surestimé ses forces ou bien il aurait pu le mettre en layup ce panier. Absolument en layup. Je vois pas pourquoi il a légèrement fait... ralenti. Et fait un flotteur. Je vois pas pourquoi il a fait un flotteur. Il choisit le flotteur justement. Alors c'est la fin du premier quart-temps. Le score est de 8 à 19 en faveur de Fus de Rabat. Il faut dire que Fus de Rabat ne va pas favori a priori dans ce match. Contrairement à ABC qui a... En effet, dans une compétition, lorsqu'une équipe a plus d'expérience, elle a une cote supérieure à celle qui vient d'arriver dans la compétition. C'est ça. Mais alors, ce qui est intéressant ici, ce sont les grandes surprises des équipes qui font le premier pas dans la compétition, mais qui viennent avec une grosse envie de gagner et une bonne préparation. Une grosse préparation, le cas de Fus, de Rabat. Qui a justement essaye de mettre tous les moyens en jeu pour obtenir cette première qualification. Il faut dire que le club est sur une nouvelle dynamique avec un nouveau président, Mehdi Zari, qui est arrivé seulement cette année en 2023, tout comme l'entraîneur Saïd El Bouzidi, qui a remplacé Stéphane Dumas. Objectif clairement affiché, se qualifier pour la Basketball Africa League. Et en parlant des coachs, on aura quelque chose de très intéressant dans ce groupe B lors de la rencontre opposant Bangui SC à ABC, puisque Liz Mills, qui est le coach de Bangui, est l'ancien coach de ABC. Absolument. Et si on reste encore sur cette équipe de Fus de Rabat, il faut dire que tout est quasiment renouvelé dans cette équipe. L'effectif a été à 80% revu. L'arrivée de beaucoup de joueurs. Le cas de... Alors c'est la reprise, ça bouscule fort à l'intérieur, c'est difficile. On a un bel équilibre au niveau des gabarits et des tailles dans la raquette, que ce soit de Fus de Rabat ou de ABC Fighters.
une action un peu forcée de Winston Shepard. Je vous parlais des nouveaux joueurs de Fus de Rabat. C'est le cas du numéro 32, Badr Eddine Azouga, recruté pour cette mission. Ancien pivot de Ferrovio de Beira. Ferroviaro, oui. Ouais. L'équipe mozambicaine. Beaucoup de recrues. Et justement, je le disais précédemment, ça se bouscule beaucoup dans la raquette. Le numéro 5 de Fus de Rabat. Aldel Karim El Roi également vient de déposer ses valises dans le club. MVP de la finale de la Ligue marocaine en 2023 avec 17,5 points et 7,6 rebonds. Un joueur très expérimenté. Ah ouais, comment ne pas souligner également la présence dans cette équipe de Aliou Fadiala Diarra, le numéro 15. Meilleur joueur défensif de l'année 2023. Troisième à la balle. Saison 3 avec le Stade Malien. Ce numéro 15, le Fus de Rabat. On va essayer de se relancer. Côté ABC. Et l'un des joueurs qu'on ne voit pas beaucoup, c'est Stéphane Konaté. Ah oui, le très expérimenté Stéphane Konaté. Oui, qui a eu capitaine. Malheureusement un début très très malheureux dans cette rencontre. Et depuis lors, on l'a plus revu sur le parquet. Stéphane Konaté, numéro 15 sur le banc. Qui est sans doute l'un des joueurs les plus anciens de cette équipe. Feinte, belle circulation de balle du côté de Fus. Mais c'est ABC qui récupère ce rebond pour une contre-attaque. Ouais. Urich Mohamed Kra. Qui a combiné avant le coup de sifflet de M. l'arbitre avec Siré Bieng, numéro 0. On va assister à une remise en jeu. Super, c'est bien lui. Siré Dieng. L'un des premiers paniers à 3 points de cette rencontre. Ah ouais, renversement de la situation. Et le tir à 3 manqué malheureusement. Siré Dieng peut récupérer. Il cherchait sous la bouteille. On a une équipe de Fus qui arrive à bien déployer son jeu. Malheureusement, les finitions, c'est pas encore ça pour le moment. De l'autre côté, ABC joue plus sur les contre-attaques après les tirs manqués de Fus et les rebonds rapides qui relancent ces contre-attaques. Ah ouais. En faveur de Fus. Fus, ils sont très patients, ouais. Très posés dans belle leurs attaques. Belle déviation, malheureusement. Et fin du temps de possession. Une violation des 24 secondes pour Fus de Rabat. Ah ouais, qui est assez calme, c'est un jeu assez typique des équipes du Maghreb. Ah ouais. Posé, des attaques longues, épuisantes pour les défenses. Et malheureusement, là, elle ne se solde pas par des paniers du tout. Du coup, c'est pas très motivant. Le petit poussé au rebond.
C'est Ismaël Diarra. Magnifique, le layup. Ismaël Diarra. Alors le tir à 3, bien démarqué. Jonathan devant Tétrodan. Alors dans la raquette, on s'est dit petite bagarre entre Zuita de Fus et Barou Adjei. Abidjan Basketball Club. Un temps mort. Alors que le score reste 23 à 19 en faveur de Fus. Nette amélioration dans ce deuxième quart-temps pour Abidjan Basketball Club qui se rapproche et qui n'est plus qu'à 4 points de son adversaire Fus de Rabat qui débute dans cette compétition. Vous nous regardez en direct du Cameroun. Nous sommes au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé pour l'élite 16 de la Basketball Africa League, division Ouest. Et le match d'ouverture met aux prises Fus de Rabat. Fus qui signifie Fat Union Sport. Club basé à Rabat au Maroc. Le club lui-même a été créé en 1945. Il compte également une section football. Ah ouais, c'est reparti. Sur la bouteille, ça va vers bien. Il est fait à 3. Et Jonathan est vanté. On peut se relancer. Et attention! Abidjan Basketball, on cherche la bonne position pour un shoot. Ballon perdu. Et un joueur qui perd sa chaussure. C'est Cyré Dieng. Et dans le feu de l'action, a perdu Cyré Sambalien. Sa basket droite. La gauche avec Soufiane. Oui, c'était Benimi. Une action un peu trop personnalisée. Et le tir forcé sur la fin. Non, il aurait vraiment il a eu beaucoup de possibilités de passe. Ah oui. Il a choisi de se la jouer seul. Jonathan, Debante Jordan. Bel enchaînement et tire le Soufiane Behemine pour porter Fus à 28 points. Fus qui refait progressivement son écart. ABC avec. Ouais, perdu. Dulrich Mohamed Kra. Qui a essayé de chipper le ballon, mais non, c'est le bras qui l'aura attrapé.
et ce sera une remise en jeu pour FUS. Ah ouais, le Abdelkarim Zouita. Abdelhakim Zouita. MVP de la finale de la Ligue marocaine en 2023. Désormais entre FUS de Rabat et ABC d'Abidjan. Un petit marché, une contestation et la faute technique qui ne tarde pas. Les arbitres, ils ont déjà donné des avertissements. Donc désormais tout écart de comportement de la part de FUS sera sanctionné par une faute technique. C'est la deuxième pour cette équipe dans cette rencontre. Notons que les fautes techniques, Christian, sont des fautes de comportement qui n'impliquent pas de contact. Des contestations, des gestes, des injures, un joueur qui nague son adversaire. Et ces actions-là sont sanctionnées par un lancer franc et le jeu reprend à l'endroit où il s'est arrêté. Belle interception, malheureusement. La balle. Abidjan, pas très appliqué sur ses passes. Samson Akono. Akano pour la remise en jeu. À la suite, c'est ce lay-up manqué. Il y a eu un coup de sifflet. Et une autre faute technique dans cette rencontre pour contestation. Ah ouais, c'est interdit de contester les décisions de l'arbitre. C'est franc. James Marquis Alvarez qui rentre son lancer franc. Alors, petite explication de ce qui vient de se passer. Le lancer franc de la faute technique a été tiré avant les deux lancers francs de la faute personnelle sifflés. C'est ça la procédure. En fait, lorsque il y a plusieurs séries de lancers francs et qu'il y a parmi cette série des lancers francs résultant d'une faute technique, ceux de la faute technique sont tirés en premier puisque ils sont prioritaires. Oui, puisque après le jeu doit reprendre dès que c'est arrêté, donc par les lancers francs de la faute et éventuellement des rebonds au cas où le lancer franc est manqué. Une fois de plus, il est seul alors qu'il a plusieurs possibilités. Il manque l'anneau. Allez, Abdelhakim sur la droite. Pourtant, ah ouais, magnifique. Et désormais, ce sont six petits points qui séparent FUS
de Abidjan Fighters. Jonathan. Elle y tire à 3. Super. On dirait que Fus a débloqué ses tirs à 3 points. Oui, en cette fin de deuxième carton, c'est le deuxième qui rentre. Signé effectivement de Jaoud Darib. De longues attaques qui sont censées déboucher sur des tirs extérieurs. Comme ah ouais, là. Voilà la réponse. La réplique. Ismaël Diarra. Ismaël Diarra. C'est pas fait attendre du tout. La rencontre s'anime véritablement, mais ce tir une fois de plus. Oh là 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 là. Une réponse. On assiste à un petit gel. Deux tirs à 3 points. Quelle va être la réaction d'ABC? Précipitation ou est-ce qu'ils vont essayer de construire leur jeu pour terminer sur un panier? Ah ouais, si je ne me trompe, c'est bel et bien lui, Jaoud Darib, qui réussit ce lancer franc, le deuxième en l'espace d'une minute. Ce tir à 3 points, oui. Ah ouais, ce tir à 3 points. Et Ismaël Diarra, une fois de plus, va rejoindre la ligne des lancers francs. Lancé réussi, Samson Akano Oluwa Segun. Le lancer sera repris suite à une violation de Zuita qui a pénétré la zone restrictive avant que le joueur ne touche le ballon. C'est ça. Segun à Kono. Fus de Rabat pour la relance avec ce meneur de jeu. Jonathan. ABC Fighters qui talonne Fus sans jamais les rattraper dans cette rencontre. Et Baro Adjei qui reconnaît la faute sur Jonathan Jordan qui va bénéficier de deux lancers francs. Stéphane Konaté qui depuis quelques seconde est de retour, espérant qu'il améliorera sa performance par rapport au début de cette rencontre qui était un peu brouillon. Ouais, super. On est à un quart de 9 points. Faute. Une Devante. Obstruction. Obstruction, oui. Et Jonathan Devante. Devante, ouais. Qui est remplacé sur le coup. Et Abdelkarim El Awa fait son entrée sur le terrain. Les deux équipes étant en situation de faute d'équipe, ce sera donc deux ou trois lancers francs, un, deux ou trois lancers francs pour les prochaines fautes. Le nouvel entrant, Abdelkarim Awa. Jeu un peu bloqué. Ayouba. Ah ouais. Le fait de oui. Qui monte l'anneau. On va se relancer côté ABC avec Kinsley.
trouve. Akano. Magnifique. Non, il y a eu un coup de sifflet. Violation. Une violation de marché. Oui. Merci. Joli contre. Récupération de ABC. Contre-attaque. Stéphane Konaté. Point, c'est à 3 points. Manqué. Mais parfait, la conclusion aussi. Magnifique, Ali. Ah oui, magnifique. Ayoub Mouhi. Remplacement du côté de ABC, le retour de Moussa Koné à la place de Pseko Richmond André. Ça fait une action à 3 pour Ayoub Nouri. 41 à 31, 10 points de différence. Pour le moment, il est plus au début de cette rencontre. Fus de Rabat réalise une belle opération d'entrée. Va-t-elle la maintenir? Une belle claquette de Moussa Koné. Ah ouais, c'est la fin du deuxième carton et c'est la pause. C'est le score de 33 à 41 en faveur de Fus de Rabat. Que ce bien déterminé à disputer sa première Basketball Africa League, Manuela. En effet, c'est une belle surprise. Fus qui partait, qui n'entrait pas favori dans cette compétition de Road to Ball Elite 16. Ah oui. Fait une belle prestation face à ABC. ABC qu'on ne reconnaît pas très bien par rapport aux éditions précédentes de la Basketball Africa League. Le match est encore long. Nous avons deux cartons devant nous. Espérons qu'ils vont se réveiller et pouvoir ajuster la stratégie afin de revenir dans cette rencontre et pourquoi pas de la remporter. Ah ouais, c'est ce qu'on leur souhaite. Abidjan Basketball qui a récemment effectué, de même que Fus de Rabat, un changement d'entraîneur avec l'intention d'aller plus loin que les quarts de finale de la Basketball Africa League. Parce que l'équipe a été quart de finaliste avec le coach Liz Milt, dont vous parliez tout à l'heure. Et l'arrivée du coach Milutin Nikolic vise justement à aller au-delà des quarts de finale et terminer au podium de la Basketball Africa League. Première partie avec un bon niveau.
fait une caisse. Ouais, ça repart pour le deuxième mi-temps. Dans cette affrontation entre Fus de Rabat qui mène au score Abidjan Basketball d'Abidjan. Abidjan Basketball Club, ouais, c'est ça. C'est le score de 41 à 33. L'engagement est donné pour la deuxième partie. Là, après une première mi-temps difficile pour ABC, est-ce qu'on peut présager le réveil dans cette deuxième mi-temps? Tout à fait, tout est encore possible dans cette rencontre, notamment que ABC a eu une belle finition dans la fin du deuxième quart-temps. Donc, voyons voir à quoi va ressembler les cinq premières minutes de ce quart-temps. Oui. On verra si Fus va imposer sa domination ou si ABC va se réveiller dans cette rencontre. Oui, comme à la première, ça commence plutôt bien pour Fus qui va certainement inscrire, qui a inscrit le premier panier de cette deuxième mi-temps avec un lancé franc à l'appui que va exécuter le numéro 15 pour la personne de Aliou Diarra. Aliou Diarra qui fait partie des recrues de FUS pour cette élite 16. Doté de qualités défensives hors pair. D'ailleurs, meilleur joueur défensif de l'année 2023. Qui a est un transfuge de Stade Malien avec qui il a disputé la balle saison 3 et ont justement terminé 3e. Et un Stéphane Konaté du côté d'ABC toujours aussi effacé. Oui, Stéphane Koné, ancien champion d'Afrique 2005. D'Afrique en 2005, il était le joueur MVP. C'est un joueur hyper expérimenté, mais qui est dans ce match. Il n'a pas encore montré le meilleur qu'on lui connaît. Il faudra peut-être qu'il pense à changer de registre. Parce que pour l'instant, c'est beaucoup de pertes de balles, pas de réussite. Peut-être le coach Nikolic va finir par le remettre au banc, comme ce fut le cas au premier carton. Remise en jeu. Et c'est Fuscar qui prend le ballon. Alors, passe mal ajustée. Une passe dans le vide. Ah oui, Ayoub Nouri qui voulait combiné avec Zuta, je crois. Abdelhakim Zuta, oui. Fils de Rabat, une équipe très chaude. Ah ouais. Et la particularité, Manuela, de cette équipe, c'est que je vous faisais part de les recrutements massifs qu'il y a eu dans cette équipe. C'est nouveau une équipe management, qui a... ah oui, nouveau management, nouveau coach, nouveau joueur. Et là, la mayonnaise semble bien prendre jusqu'ici. Une nouvelle équipe avec de très grandes ambitions dans cette compétition. Devante qui manque son lancer. Jusqu'ici, on avait plutôt une,
une belle courbe statistique au niveau des lancers francs, 69% pour Abidjan et 80% pour FUS, qui était à 8-8-10. Le contre. Le contre, magnifique. Et puis la relance, un lay-up superbement réussi. Alors, il n'y aura pas de réplique pour Abidjan Basketball sur cette occasion. Une hésitation de Perry Okafor. Stéphane Konaté. Fin du temps de possession. Du chronomètre de tir pour abaisser. Ah ouais, qui perd le ballon. C'est peut-être un signe de dépression, Manuela, peut-être, dirait-on. Pas encore. C'est vrai que même si leur jeu est un peu brouillon, ils sont là, ils sont présents. Ils ont un body language de fighter, comme le nom l'indique. Le temps mort leur permettra peut-être de réajuster cela. Ils n'ont pas encore baissé les bras, en tout cas. Ah ouais. Malgré le petit écart de 14 points, ABC Fighter est toujours motivé. Il faut dire que l'un des petits noms aussi de Abidjan Basketball Club, c'est les Dangerous. Sauf que pour le moment, c'est plutôt Fus de Rabat qui est plus dangereux. C'est exact. Et plus incisif. Ils ont l'ANIA, qui sont motivés. C'est un bel esprit. Surtout pour une équipe qui fait ses premiers pas dans une compétition, venir avec cet esprit conquérant, c'est vraiment intéressant, ça rend les rencontres plus spectaculaires. Ah oui, d'accord. On n'a pas communiqué là-dessus. Alors, au niveau des points, on a Samson Akano qui est à 9 points du côté d'ABC et Ayoub Noui, 11 points. Ce sont les meilleurs marqueurs du match. En effet, les rebondeurs Kingsley et Dawson Ward du côté de ABC, 6 rebonds. Ali Odiara, 4 rebonds du côté de FUS. Passe décisive, 2 partout pour Abdelkarim Zouita et Barou Adjei. La reprise sur cette remise en jeu de FUS. Devonté qui mène toujours aussi bien cette équipe. Zouta avec Soufflane. Soufflane pour Devonté. Sur la gauche, vient de marquer. Et ce tir à 3, Zouta. Pas sur l'anneau. Le rebond pour ABC qui, sur cette occasion, alors, il y a eu il y a une faute sur ce joueur de ABC, Barou Adjei. Il faut dire que cette équipe de ABC, Abidjan Basket Club, est 17 fois champion de Côte d'Ivoire. C'est un club légendaire. Qui vient de boucler 2 mois de préparation intense pour cette élite 16. Toujours aussi patient dans ses attaques. Ali Diarra pour Devonté. Devonté qui va s'élancer tout seul. C'est bloqué. Le tir à 3. Rebond pour ABC. Une belle circulation de balle du côté de FUS. Oh oui, absolument. Alors tout seul sur la bouteille. Le combat s'est perdu. Et Zouita récupère ce rebond. Le rebond, oui. On relance avec Ayoub Noubi. Côté droit, Jonathan. Soufflane.
résultat. Oh, magnifique! Aliou Diarra. Quelle défense passive de ABC sur cette occasion. En effet, je crois que je vais revenir à ton commentaire tout à l'heure. Je crois que ABC est en train de baisser un peu les bras dans cette rencontre. En fait, c'est normal lorsque vos attaques n'aboutissent pas. C'est démoralisant pour l'équipe. Ah oui. Ça se remarque au niveau du banc qui est amorphe. Tout à fait. Les joueurs qui n'ont pas une posture de gagnant. Oui. Du côté de Fus, c'est la confiance. Les joueurs ils sont pleins de confiance. Ça se lit dans leur regard. Soufflane. On ne démord pas du côté de Fus. On veut en découdre jusqu'au bout. Belle offensive. Et le joli rebond. Konaté. Voilà. Konaté, ça ne sera pas. Et ce sera une faute d'Aliou Diarra sur tous les. +49-35, c'est le score. Alors, au moment où le capitaine obtient ce lancer franc. Capitaine Stéphane Konaté, très expérimenté. C'est plutôt Kingsley. Ah oui, c'est plutôt Kingsley. Oui. Kingsley. Qui a essayé de placer un dunk et qui a été freiné par Aliou Diarra. C'est ça. Kingsley, c'est Franck. Manqué. Justement, voilà, c'est ça. Les rebonds pour Affus, pour la relance, une débantée. Ah ouais. Une magnifique action de Devonté. Bien conclu. Par Prince Chisson. On essaie comme on peut le petit ABC avec cette Konaté qui ne réussit toujours pas à trouver les filets dans cette rencontre. Et ABC qui reprend un temps mort. Oui. Ajustement sur ajustement. Je pense que les joueurs ne satisfont pas encore le coach par rapport aux consignes données précédemment. Lors des précédents temps morts. Oui. Le coach Milutin Nikolic. Et tout juste à la sortie à l'entame du troisième carton, il avait déjà pris un temps mort. Et là, il prend son deuxième. Il ne lui reste plus qu'un temps mort dans cette rencontre. Ouais. Il faut dire que Abidjan Basketball Club avait été éliminé à la Road to Ball 2019. On espère que ce club ne reconnaîtra pas le même sort ici à Yaoundé pour les 16 en vue de la saison 4 de la balle. Lorsqu'on a terminé 3e de la dernière saison, il n'est pas normal qu'on ne soit pas au rendez-vous de la saison suivante. On peut dire que ça a été le cas de Fab qui est à la saison 2 a terminé dans le top 4. Ah oui. Et au prochain rendez-vous. Ouais, il n'était pas présent. Il n'était pas présent. Les forces armées et police du Cameroun que l'on verra également dans cette compétition. Ce soir face à Virunga de la RDC. Virunga de la RDC qui a bénéficié de la wild card. Ça manque de puissance, ça manque d'envie du côté d'ABC. Le ménard de jeu de Fus. Et
volonté, qui sert de ce ballon. Ayoub, qui va tenter une pénétration. Ah ouais, il est bousculé dans sa parade. La grosse faute de Kingsley. Qui offre deux lancers francs. À Fus de Rabat. Qui va sereinement sur ses lancers poursuivre sa course en tête. On salue évidemment tout ce qui nous regarde du côté de Rabat. Et même du côté de Marrakech. Ça a été une belle occasion, une bonne action pour revenir une au score. Une interception de Stéphane Konaté qui permet à son équipe de mettre deux points sur cette contre-attaque de Ulrich Mohamed Krah. Ah oui, bien fait. La feinte. Deux paniers d'affilée pour ABC. Cet élan stoppé par un temps mort du coach Saïd El Bouzidi. Ah oui. Temps mort pris au bon moment, justement. Un temps mort qui pourrait couper l'élan de ABC. Qui a manifesté il y a quelques instants des velléités de grimper au tableau d'affichage. 39 à 52, c'est le score en faveur de Fus de Rabat. Oui, alors qu'il reste 3 minutes 24 secondes à jouer dans ce troisième carton. On invite évidemment les populations de Yaoundé, du Cameroun à venir massivement au palais polyvalent des sports de Yaoundé pour vivre cette grande compétition internationale. À l'issue de laquelle trois visas seront délivrés à trois équipes pour disputer la prestigieuse Basketball Africa League, saison 4. Un fait très amusant avec cette compétition, les précédents vainqueurs sont dans l'ordre Zamalek, Monastir, Al Ahly, tous des clubs du Maghreb. Des clubs du Maghreb, absolument. À quand donc une équipe de l'Afrique subsaharienne. En effet. Elles qui ont jusqu'ici toujours terminé dans, disons, au podium. ABC qui joue en ce moment à disputer le match de classement lors de la saison 3. Alors, peut-être une action à 3 points pour Jonathan Devante. Et le lancer franc est réussi. Fus qui ne lâche rien. Une attitude plutôt appréciable. On a le sentiment que parfois, lorsque les équipes ont un grand écart, elles sont moins offensives. Elles se la coulent douce un peu. Et c'est pas le cas de Fus. Le dunk manqué. Ça aurait été bien ça. Avec Kingsley et les Omoines. Malheureusement, il y a eu un joli contre. Le fils de Rabat. Excuse-moi de t'avoir coupé, Manuela. L'occasion était. L'action était trop belle. Ah ouais, était trop belle. Vous disiez tantôt. Ah ouais, attention, interception. Il est tout seul. Oh, le dunk. Et le dunk. Super. Bien joué. Kingsley qui réussit enfin à mettre un dunk. Il réussit enfin à mettre ce dunk. Ça fait du bien pour le moral côté ABC. En effet, espérons que ce sera une source de remotivation pour cette équipe.
Il était parti tout seul, servi en profondeur. Alors voilà la réplique. Toujours malheureusement manquée. Aussi patient dans ses attaques. On repart avec un long ballon. On a trouvé sur l'aile droite. Le tir à 3. C'est dedans, c'est réussi. Avec beaucoup d'efforts. Ouh là 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 là, on dirait que c'est le réveil du côté de l'ABC. Peut-être que les populations de. Désormais qu'à 11 points. Ah oui, peut-être que les populations de Abidjan qui nous écoutent ont fait quelques prières positives pour leur équipe. On attend voir. C'est Kersus. Oh là. Et le ah oui. Duo Devonté. Joie d'arrive qui enfonce un peu plus le clou. Et qui va un peu. Pourquoi pas calmer les ardeurs de ABC. Il y a un joueur au sol, attention. Ce tort de douleur. Il est resté au sol. Alors, il s'agit d'Ismaël Diarra. Ismaël Diarra. On espère qu'il n'y a rien de grave. Il s'est tranquillement relevé sans l'assistance médicale. Vous suivez la rencontre sur plusieurs supports, les supports numériques, les écrans de télé. ABC. Ah oui. Et c'est lui qui. Et Ismaël Diarra qui nargue un peu le banc de Fus. De Fus, ouais. Une action passible d'une faute technique, oui, parce qu'on n'a pas le droit de narguer les adversaires. C'est ça. Peut-être que cela n'a pas été vu par le corps arbitral de ce match. ABC qui croit à 46 secondes de la fin du troisième quart-temps. 7 équipes pour 3 places à la balle. Une compétition organisée par Bangui Sporting Club en collaboration avec la Fédération Camerounaise de basketball. Une autre balle à profondeur et une percussion. Alors le layup manqué. Rebond pour Fus. La longue passe. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, tout le bloc défensif de ABC s'est repositionné. Ce qui pourrait compliquer la tâche. Alors pénétration. Et le service. Magnifique. Et c'est au tour de Prince Chisson. Il fait un petit signe narquois au banc de ABC. Ah oui, ça communique beaucoup dans ce sens. On se fait des petites attaques. Attention à ce que les arbitres ne constatent pas le petit jeu qui se joue. La petite guerre, on le dira ainsi, entre les joueurs sur le terrain et les bancs de touche. On aurait bien aimé voir dans cette compétition Elan Coton du Bénin qui est coaché par Gilles Kouamo que nous saluons. Et qui détient dans ses rangs. Dunk wow. Comme il sait, il nous a habitué depuis le début de cette rencontre. Après 3 tentatives manquées, nous avons 2 dunks d'affilée pour Kingsley. Avec peut-être un lancé. Ouais, on adore ça, on aime ça. Ça agrémente, ça donne un peu de goût, ou plus de goût à la rencontre. Ces gestes spectaculaires qui consistent à monter à l'anneau. Alors, perte de balle. Peut-être un autre dunk. Et c'est toujours lui. C'est toujours lui, le troisième d'affilée. Il est inarrêtable. Kingsley. Et c'est la fin du troisième carton sur cette série de dunks. 11 points d'écart, mais le moral haut pour ABC. Ah oui, Manuela. Et si on allait consulter les statistiques à l'issue de ce troisième carton. Écoutez bien, mesdames et messieurs.
Alors, comme vous l'aurez constaté, 11 points d'écart, c'est Fus qui domine à la marque avec 50% de tir contre 38% pour ABC. Oh, le rebond est dominé par ABC, 30 points à 26, 12 passes décisives pour Fus qui a un jeu très collectif contre 7 pour ABC qui se démarque sur plusieurs individualités. Alors, les blocs, c'est du côté de Fus, notamment avec ceux d'Aliou Diarra. Beaucoup de balles perdues du côté d'ABC, 26 balles perdues contre 19 pour Fus de Rabat. Je crois qu'on va s'arrêter là, côté statistique. Maintenant, voyons au niveau individuel, le meilleur marqueur, c'est Ismaël Diarra pour ABC avec 13 points, notamment le nerf, qui est également le meilleur marqueur de cette rencontre. 12 points Ismaël pour Diarra, le numéro 8, Ayoub ABC. Noubi du côté de Fus. Ayoub Noubi, le numéro 3. 9 rebonds pour Kingsley contre 4 pour Aliou Diarra. 3 passes décisives pour Barou Adjei contre 3 pour Abdelkarim Zouita. Et ça va reprendre pour le quatrième et dernier carton. On connaîtra le vainqueur de la rencontre dans les 10 prochaines minutes. Merci de nous regarder en direct. Vous faites bien d'être parmi nous à ce grand moment de basketball qui magnifie la jeunesse africaine, qui démontre ses talents. Cette rencontre n'est qu'un avant-goût de ce que nous allons vivre ici jusqu'au 5 novembre. Et c'est parti pour le quatrième et dernier carton entre Abidjan Basketball Club et Fus de Rabat qui mène au score 61 à 50. Rappelons à nos auditeurs et spectateurs que les phases de poule se joueront aujourd'hui, mardi, mercredi et jeudi. Vendredi, ce sera un jour de repos. Les demi-finales, samedi. Les finales, troisième place et première et deuxième, dimanche. Oui, on doit rester connecté. Donc, pour les matchs de poule, dès 14h, vous pouvez rejoindre le Palais Polyvalent des Sports pour assister aux rencontres de phases de poule. Ah oui, ou simplement vous connecter sur les pages digitales de la FIBA. Voilà, concertation sur le banc de Fus autour du nouvel entraîneur Saïd El Bouzidi. Il faut dire que El Bouzidi est également entraîneur de l'équipe marocaine avec laquelle il a disputé l'Afro Basket en 2017. Le Maroc avait terminé quatrième avec cet entraîneur. C'est donc un monsieur qui connaît très bien la scène africaine. Barou Adjei qui manque son premier lancer franc. Ce n'est plus le moment, Christian, de manquer les lancers francs dans cette rencontre si ABC souhaite réellement remporter sa première victoire dans cette retourbale élixeuse. Et deux points accordés. Oui, à Soufflane. Benim. Rappelons aux spectateurs que les joueurs n'ont pas le droit de toucher un ballon qui est dans l'anneau en passant la main pour en dessous. En dessous, ouais, c'est strictement interdit. Ah ouais, belle bagarre. Malheureusement perdu. Une tapette de Zouita. Ah ouais, il a tenté de joindre
Soufflan Behimine. La balle a malheureusement filé hors de l'aire de jeu. Et Zuita va céder sa place à Winston Shepard. Chapeau, messieurs. Un joueur très important de cet effectif. Un joli flotteur de Samson Akano. Ah ouais, un joueur de nationalité nigériane. Samson Akano, comme nous avons en image. Plus qu'il prend son temps, il prend son temps lors de ses attaques. Attention, attention à la violation. Violation. Et 24 secondes. Fus a un peu trop pris son temps. Il reste 6 minutes à jouer. Ils sont nombreux qui nous regardent, Manuela, sur les différentes parts digitales. On peut voir un florilège de commentaires. On vous dit merci de nous regarder, merci de nous suivre. Qui nous regarde du côté du Maroc. On va également saluer Sa Majesté le Roi du Maroc, que Dieu l'assiste. Alors, je suis très patient. Notons que c'est tactique. Attention, la violation de 24 secondes. In extremis, le tir. Ouais. Et le rebond manqué, le tir manqué après un rebond de Winston Shepard. Notons, Christian, que cette attaque est plutôt une bonne stratégie de prendre son temps, surtout lorsqu'on mène au score. Cela permet de faire une circulation de balle qui fatigue la défense. Et si à la fin on a un panier, cela est vraiment démoralisant pour la défense, comme on l'a constaté lors du premier carton du côté d'Abidjan Fighter. Ah oui, absolument. Un joueur sur le parquet. Il s'agit de Prince Chisson. Oui, Prince Chisson. Rizou. Qui va te remplacer. Ah ouais, qui va te remplacer automatiquement après l'intervention de l'équipe médicale. C'est quoi les statistiques de ce joueur, Manuela? Prince Chisson. Prince Chisson. Qu'est-ce qu'il a produit depuis la rencontre? Attendons sur cette action de bonté. Magnifique. Aliou Diarra. Alors, tout à l'heure, on parlait de Prince Chisson en 16 minutes et 51 secondes. 8 points, 4 sur 4, 100% dans ses tirs. Une belle précision. Oui. Deux rebonds, dont un défensif et un offensif. Deux pertes de balles. Une faute personnelle pour une évaluation de moins 3. Merci. Thank you.
encore une violation pour Fus. Avec 12 points d'écart, c'est bien, mais c'est pas une sécurité. Alors qu'il reste encore 4 minutes et 20 secondes, ça fait plusieurs balles déjà qu'il perd. C'est une violation du chronomètre de tir. Ouais. Et ce sera Lassina Sidibé qui va concrétiser ce panier. Réponse de l'autre côté. Réponse du berger à la bergère. D'Abdelkarim El Awa. D'Ayoub Noui plutôt. Ça combine bien. Une faute. Ce sera une faute sur Kingsley. Ah ouais, belle influence dans le jeu de RDC. Kingsley. Ah oui, et le retour de Prince Chison Orizu. Lui qui a reçu les soins il y a un instant. Qui compte Aliou déjà Diarra. 8 points dans ce match. Aliou Diarra qui a égopé de sa 5e faute. Et l'on est exclu de la rencontre. En effet. Aliou Diarra. Meilleur joueur défensif de la saison 2023, recruté pour cette Elite 16. Joueur international. Malien. Zuita pour Devante. C'est Devante qui a presque de jouer avec Ayoub. Massacre. Un lancé pour Ayoub Nouri. Sur une action à 3 points potentiellement. Il tourne déjà 14 points, 3 rebonds et 3 passes décisives dans ce match. Dans ce money time, Fus semble avoir instauré sa domination dans la rencontre. Christian, pense-t-il qu'il y ait quelques espoirs pour ABC? Ah ouais, en 3 minutes, tout est possible. Oui, mais ABC rame, ne fait rien de concret. C'est du coup sur coup. Pour chaque panier de ABC, il y a 3 points de Fus. Il y a des actions à 3 points de Fus qui arrivent derrière. Difficile de croire que ABC pourra se relever dans cette rencontre. On a le coach Nikolic assis, les bras croisés. C'est pas une posture qui donne de l'espoir. Qui traduit de l'espoir. Ouais. Le coach. Et Zuita qui. Et ce n'est pas Zuita qui va davantage l'inviter à se lever. Ce premier 3 points, il avait essayé. À plusieurs reprises, ouais, sans réussite. Ouais, ça combat bien sur la bouteille. Rebond pour Fus avec Soufflan. Débanté. Ah ouais, bel écran de Zuita qui est servi. Un peu forcé cette action de Zuita. Le tir à 3 points. Bien positionné. Réussi et c'est 3 points pour Samson Akano. Ah ouais, Samson Akano. 64 à 67 à 80, c'est le score de cette rencontre. 13 points d'écart. Alors qu'il ne reste plus que 1 minute 53 secondes à jouer. Devante qui
trouve pas de solution et finalement tente ce tir forcé. Et le tir en 3. Ok, la balle reste. Le rebond. Il reste pour ABC. Tout seul, qu'est-ce qu'il va faire? Il a voulu faire parler son gabarit. Kingsley Odosomwan. Et un temps mort pour Fus de Rabat. Alors qu'il reste 1 minute 28 secondes dans ce match. Sur cette fin de rencontre, on avait l'impression que les joueurs étaient un peu fatigués. Ah oui, un peu émoussés. Ouais, un temps mort salutaire pour cette équipe. Ah ouais, il y a eu beaucoup d'animation, beaucoup d'engagement. De part et d'autre. De part et d'autre, ouais. Alors, est-ce que ABC va baser sa stratégie sur une série de tirs à 3 points pour revenir au score? On verra dans quelques secondes, juste à la fin de ce temps mort. Ouais, ça fait pas bien de perdre d'entame dans cette compétition. En effet. Mais bon, ABC a encore ses chances. C'est une poule 2-4. Il y a encore 2 rencontres, 2 occasions de faire la différence. Ah oui, tout est possible. Ça me fait justement penser à Bangui Sporting Club qui, lors de la Road to Ball, avait ici à Yaoundé, avait perdu son premier match contre Espoir Basketball du Gabon. Et qui a terminé premier. Qui a terminé premier en fin de la compétition. Et donc tout est possible. C'est reparti après ce temps mort. Juste là, au contrôle avec des bontés. Il peut bien gérer le temps parce qu'il ne reste plus que 1 minute 17 secondes à jouer pour la victoire. Sûr. Fils va prendre son temps comme à son habitude. Il prend son temps, il va égrener tout le temps de possession avant de jouer et c'est des lents. Et c'est justement ce genre d'action qui démoralise l'adversaire. Ils n'ont plus assez de temps. Le tir à 3 points. Le tir à 3. Réussi. Et justement, je l'avais prédit. C'est une stratégie de remontada basée sur des tirs extérieurs. Amaye Chiperi au Okafor. Il demande la balle. Il était tout seul. Il est chaud au Okafor. Il demande la balle. Pour il notre la tir reçoit. À 3, une tentative. C'est de l'un le plus. Coup sur coup, tir à 3, réussi. Au Okafor. ABC qui essaie un pressing. Malheureusement, c'est un peu tard ce réveil, me semble-t-il. En effet, c'est tardif. Ce réveil, 9 points d'écart, 29 secondes. Très difficile. Ah ouais, 9 points d'écart, il faut dire que c'est 3 lancers francs. 3 tirs à 3 points. 3 tirs à 3 points. Merci, Manuela. Il suffit qu'Okafor remette ça à 3 reprises. En comptant que Fils perde 3 ballons d'affilée aussi facilement, je ne crois pas que ce sera évident. Et dans ce cas, ce sera un overtime. Alors, c'est Prince qui cède sa place à Abdelkarim El Aouar pour cette fin de rencontre. 29 secondes à jouer. Et marché de Soufiane du côté de Fus. 25 secondes, une occasion pour ABC de réduire le score. Le ballon. Alors, le tir à 3. Pour Okafor. Et 3 points, le troisième d'affilée. Troisième d'affilée, signé Okafor. Il ne manque plus que 2. Ouais, alors qu'on joue 12 secondes. C'est possible de tirer, de lancer à 3 points en 12 secondes. Il rate ça. Alors, il va falloir réagir juste après ce lancer franc. Et le coach Milutin Nikolić qui s'est levé. Ouais, ça complique la tâche. Temps mort, le dernier pour ABC dans cette rencontre. Pour gérer les dernières secondes du match.
un tir à 3 points plus un pressing, une interception, un autre tir à 3 points. Je pense que c'est ça le scénario que le coach Nikolić espère pour la suite. C'est certainement ce scénario qu'il veut dessiner à l'instant. Il faut dire qu'il y a eu un relâchement du côté de Fus. Alors, Okafor qui a fait ses 9 points de la rencontre, ce sont ses seuls points de la rencontre. Au Money Time, 3 tirs à 3 points, 100%. Et ça va repartir dans un instant pour les ultimes secondes de la partie. 8 points d'écart dans cette rencontre, 12 secondes à jouer. On imagine que balle à ABC pour une remise en jeu. On défuse, on est dans la défensive totale. Alors, le retour de Prince Chisson. Objectif, récupérer la balle. Et grainer les 10 secondes qui restent. Le shoot manqué. Un autre tir à 3. Manqué. Je crois que c'est terminé. C'est terminé. Victoire de Fus de Rabat. Victoire de Fus. Première participation. Première victoire. Première victoire. Le Fus de Rabat se met résolument sur. Et quelle victoire! La bonne marche vers ABC. La saison 4 de la balle. ABC qui est un habitué de la compétition, qui a terminé 4e, 3e. Lors de la saison 3, démarre plutôt mal avec son nouvel entraîneur. Milton Nikolić qui encaisse sa première défaite, avec ABC. Oui. Alors que du côté de Fus, Saïd, Union Sport de Rabat, Saïd El Bouzizi réalise une belle opération. Je vous le disais, si Fus de Rabat se qualifie, ce sera le deuxième club marocain à disputer une phase finale de la Basketball Africa League après AS Salé, où est issu Abdelhakim Suita, qui a été pour beaucoup dans la victoire de Fus de Rabat lors de cette rencontre. Ah ouais, il y a de quoi jubiler, c'est normal, c'est mérité, belle domination, belle rencontre, belle prestation de Fus. Magnola, et si on consultait un peu les statistiques les dernières pour avoir une idée claire de cette rencontre qui s'achève. Les statistiques collectives, 28 sur 64 au tir pour Abidjan contre 32 sur 60 pour Fus, 53% pour Fus, cela dénote du résultat final. Absolument. Au niveau des rebonds, 38 pour Abidjan, 34 pour Fus. Abidjan a eu beaucoup de rebonds, mais ces rebonds n'ont pas servi pour la suite de la rencontre. Les interceptions, 8 du côté d'Abidjan, 5 du côté de Fus. 3 blocs du côté des Fus, de Aliou Diarra notamment. Aliou Diarra qui a été exclu après 5 fautes. En effet, 15 pertes de balles pour Fus contre 17 pour Abidjan. Du côté des stats individuelles, meilleur marqueur de cette rencontre, Samson Olugaseoum, Akano, 19 points du côté d'Abidjan. Et du côté de Fus, c'est 18 points pour Jonathan Devante. Les rebonds, 10 pour Kingsley d'Abidjan contre 5 pour Aliou Diarra de Fus. 4 passes décisives pour Zuita et Ilouche Mohamed Kra. Ah ouais, c'est sur ce qu'on va céder l'antenne pour assister à la conférence de presse d'après-match des équipes en direct de la salle de presse. Et juste après, ce sera la deuxième sortie ou la deuxième rencontre de cette élite 16 du qualificatif groupe B, pour la balle, oui, et qui va opposer à Bangui Sporting Club, Aslak de Guinée, Seydou Legacy Athletic Club de Guinée, qui est également un habitué de la compétition. Je dois vous dire que il y a quelques années, les deux équipes se séparaient au tournoi Elite 16, et c'est cela qui avait éliminé Bangui Sporting Club. C'est donc un match de revanche que nous vous invitons à suivre juste après. Restez connectés, mesdames et messieurs. Merci Magnola. Merci Christian.